beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 13 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien aujourd'hui, j'ai accepté ce qui est. Waouh, 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 ça c'est pas facile, n'est-ce pas, accepter ce qui est. Une bonne partie de votre souffrance vient du fait que vous vous battez. Oui, oui, vous vous battez avec votre passé ou avec les émotions que votre passé génère. Et cette souffrance, n'est-ce pas, est inutile. Et vous le savez dans le fond de vous-même. Elle ne vous mène à rien, seulement à faire perdurer cette souffrance que vous ressentez. Pourquoi regarder derrière vous? Pourquoi viviez-vous encore avec le passé? Le passé n'est plus, vous ne savez plus rien faire avec le passé. Il a été vécu. Acceptez. Acceptez, eh bien, ce n'est pas se résigner, n'est-ce pas? C'est pas cela qu'on vous demande. Accepter vous permet de cesser d'être en conflit permanent avec ce qui est. Ça peut être que vous avez été violenté, abandonné, trompé, etc., n'est-ce pas? Vos attitudes de refus ne vous conduisaient ni à la sérénité, ni au bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change parce que vous vous remémorez tout ça? Vous vous rassasiez de votre passé. Est-ce qu'il y a, quelque chose qui change? Ou alors, vous faites le petit caliméro. Oh, c'est injuste ce que j'ai souffert, ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a fait vivre. Non, arrêtez, arrêtez, acceptez. Accepter vous permet de cesser d'être en conflit avec ce qui est. Quand vous vous résignez, eh bien, vous pouvez penser... Je suis obligée de supporter cette situation et en même temps, elle me rend malheureuse. Ou alors, derrière la résignation, il y a un non. Non, intérieur camouflé, une façon de se positionner en victime. Alors qu'accepter, c'est consentir sereinement à un état de choses contre lequel vous ne pouvez rien. Il s'agit de dire oui. Oui à ce qui ne peut être changé, parce que cela fait partie du jeu de l'existence, qu'on le nomme destin ou karma, comme vous voulez. Et dans un second temps, de changer ce qui peut l'être. Quand vous acceptez cela, n'est-ce pas, vous pouvez dire « Waouh, j'ai vécu quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai été, etc. J'aurais préféré ne pas le vivre ou j'aurais préféré que telle personne ne se comporte pas envers moi de cette façon. » Mais bon, je l'ai vécu, je ne peux pas changer ni les événements du passé, ni les comportements d'un tel. Il est possible, n'est-ce pas, que des émotions arrivent. À ce moment-là, eh bien, je vous propose de les accueillir. Accueillez-les, de les traverser autant deux fois que nécessaire, jusqu'à pouvoir finir le deuil que la situation exige.
Accepter ne veut pas dire résiliation, n'est-ce pas? Accepter, c'est vous rendre libre et disponible pour continuer à vivre votre vie. Alors, vous le savez toutes et tous, vous ne pouvez changer votre passé ou les agissements d'un tel. On ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas changer le passé. Mais en revanche, n'est-ce pas, vous pouvez changer la manière de les vivre. Et vous avez le pouvoir de faire le deuil de ces expériences que vous avez vécues. Vous avez le pouvoir et vous en avez la force, même si à l'heure actuelle, vous vous dites que vous n'avez pas cette force, mais vous l'avez, tout dans le fond de vous-même. Allez chercher cette force dans le fond de vous-même. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir, avec amour et bienveillance envers moi-même. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Ouah, quel beau message, n'est-ce pas? Accepter ce qui est, c'est pas facile, mais bon, pour votre évolution, pour vous pouvoir continuer votre chemin ici terrestre, c'est indispensable que vous décidiez et que vous acceptiez ce qui est. Très beau message, n'est-ce pas? Et on termine avec le petit oracle des fées. Les esprits des racines plongent ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi, et bien que la magie opère. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Et d'ici là, moi, je vous embrasse. À demain.